Ça va tout le monde? Ouais! Même un dimanche comme ça, là, en début d'après-midi? Parce que souvent, le dimanche, c'est le lendemain du samedi. C'est pas toujours évident. Moi, ça va. Le pays, un peu moins, quand même. La réalité, c'est que on a un monarque présidentiel qui vole les élections, bafoue la Constitution, bafoue la démocratie, bafoue la République. Et heureusement, et gloire à toutes celles et tous ceux qui sont venus le 7 septembre dernier manifester, grâce à vous, l'honneur est sauf dans notre pays. Des gens font encore valoir l'idée que voter, ça sert à quelque chose, que gagner, ça doit pouvoir permettre d'appliquer une autre politique dans ce pays, une politique d'égalité, de justice, d'écologie. Mais ça, c'est trop pour Macron. Vous rendez compte? Même 72 heures de Lucie Casté, c'était trop pour eux. Pourquoi je dis 72 heures? Parce que c'est le temps de déposer une motion de censure et de la voter. Et nous avait dit, ben oui, mais si vous mettez Lucie Casté, elle sera censurée immédiatement. Alors que les fascistes disent ça, j'ai envie de vous dire, bon, il y a une cohérence. Mais Emmanuel Macron, il aurait pu dire à ses propres amis, vous ne voterez pas la censure de Lucie Casté parce qu'il faut leur laisser une chance. Ils ont gagné les élections. J'y peux rien, moi, c'est les gens qui ont décidé. C'est ça qu'il avait dit, d'ailleurs, au moment où il a prononcé la dissolution. Le peuple français s'est exprimé. Je m'en remets à sa décision. Rien du tout. Pourquoi 72 heures, c'était trop? Parce qu'on aurait été capable d'augmenter le SMIC à 1600 euros, c'est ça? Oui, c'est ça, on l'aurait fait. Parce qu'on aurait abrogé la réforme des retraites à 64 ans? Oui, on l'aurait fait. Pourtant, tactiquement, même pour lui, pour vendre du Michel Barnier, il aurait mieux valu censurer Lucie Casté d'abord et dire, regardez, j'ai essayé, on l'a censuré, maintenant il nous faut un Michel Barnier. Mais même ça, c'est trop pour eux. Alors, ils préfèrent quoi? Se mettre dans les mains de l'extrême droite. Et vous avez peut-être vu l'actualité du week-end, tout à fait récente, de Madame Le Pen, hier, qui se réveille. Parce que nous, pendant qu'on explique qu'il faut que respecter le résultat des élections, ce qui semble à peu près évident pour presque tout le monde, pendant ce temps-là, Madame Le Pen était en train de dire « Oui, mais il ne faudrait pas que ce soit le chaos dans le pays. Bon, » elle n'a pas encore compris que c'est déjà le chaos dans le pays, notamment le chaos social. Et donc, elle a passé un accord avec M. Macron pour ne pas censurer Michel Barnier. Je crois que j'ai vu sur le stand du Rassemblement National à Hénin-Beaumont, parce qu'on y était la semaine dernière avec Antoine Léaumont, Aurélien Lecoq et Zahia Hamdan, j'ai vu des autocollants « I love Barnier hein, » sur le stand du Rassemblement National. Ils étaient jolis, hein, mais il faut le dire à leurs électrices et leurs électeurs. Ce qu'on a fait, là, on a martelé. Et vous les avez vus, comment ils sont excités sur les réseaux sociaux, hein, les gens d'extrême droite. « Oui, mais non, vous n'avez pas gagné, regardez, il faut, puis vous, c'est le chaos. » Puis il y a vite plus d'arguments. Sauf que les sondages ont commencé à tomber. Une majorité de gens aimeraient qu'Emmanuel Macron démissionne. Zut alors. Une majorité de gens trouvent que la destitution, c'est une bonne idée. Ah mince! Y compris des gens qui auraient voté pour M. Bardella ou Mme Le Pen la dernière fois. Alors ils ont les chocottes parce que forcément ils sont sur une ligne de crête, parce que là ils ont quand même l'air d'être les alliés objectifs d'Emmanuel Macron. C'est ça qui se passe. Et alors la voilà qui arrive hier pour expliquer que finalement, peut-être qu'ils vont quand même censurer Michel Barnier, il ne devrait pas durer longtemps. Ah bah oui, hein, c'est pas évident d'apparaître comme étant les alliés d'Emmanuel Macron, hein, je les plains. À leur place, j'aimerais pas être dans cette situation. Et puis Emmanuel Macron, quand même, d'expliquer avec son Premier ministre nommé par lui que finalement, la grande priorité, c'est de continuer à être les passe-plats de l'extrême droite. Et les passe-plats sur le fond de la politique de l'extrême droite. C'est-à-dire sur le fond de la xénophobie, du racisme, en mettant en avant immédiatement les questions migratoires. Première minute de jeu, avec un Michel Barnier qui a expliqué, évidemment, que lui, il était pour un moratoire sur l'immigration. Alors c'est joli, moratoire sur l'immigration. Vous dites, ah ouais, moratoire, c'est un mot compliqué en plus. Ça veut dire quoi, moratoire sur l'immigration? Concrètement, ça veut dire que plus aucune immigrée ne rentre dans ce pays? C'est ça qu'il veut dire. Donc ça veut dire que les gens vont mourir davantage dans la Méditerranée? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Michel Barnier propose des morts supplémentaires dans notre pays. Avec l'aide d'Emmanuel Macron. Voilà la situation politique. C'est pourquoi nous devons résister. Et pourquoi nous devons résister? Parce que c'est pas les macronistes qui sont juste là... Ah non. Pour ceux qui étaient là hier, il y avait à environ 15 mètres un stand Renaissance
modem. Il n'y a que Horizon qui résiste un peu à l'avarie. Et donc on peut se demander, face à l'extrême droite et à la vraie Drilil, et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où les macronistes ? La 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 la. À l'extrême droite, à l'extrême droite, à l'extrême droite avec Marine. La 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 la. Voilà, je pense que la boucle est bouclée. Merci pour votre attention. On lâche rien. Résistance, il y aura d'autres mobilisations. On a gagné et on va faire en sorte de faire valoir notre victoire pour appliquer ce beau programme politique.